vous allez bien? Moi, de mon côté, je vais bien. Et pour le confinement, là, je sais que c'est dur. Je sais que nous, où on est là, nous tous là, on est confinés. On ne sait pas ce qui se passe. Mais on n'a pas le choix, hein. Voilà, protégeons-nous. Essayez un peu de suivre les règles, quoi. Voyez. J'aimerais d'abord remercier ceux qui sont encore abonnés à ma chaîne. Les abonnés, pour ceux qui sont restés là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dirais tout simplement que vous êtes là. Hein? Vous êtes là parce que vous êtes restés malgré le fait que j'ai disparu. Ouais, on va dire ça comme ça parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté. Mais vous êtes restés fidèles. En tout cas, merci énormément. Je vous remercie du fond du cœur d'être resté et de continuer à être là avec moi. Vous voyez un peu. Mais non, je dis, hein, pour ceux qui se sont pas encore abonnés là, vous attendez quoi? Vous attendez quoi, bon sang? Vous attendez quoi? Vos doigts là, vous venez seulement vous cliquer. Mais non, vous me laissez comme ça avec les... Oh, on va agrandir la communauté, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est simple comme bonjour. Vous venez, vous cliquez et vous n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà. Ça va m'encourager, ça va me donner la force de vous faire des vidéos parce que je vous réserve plein de choses. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais faire un Q&A. Ma soeur qui est là, qui va tout simplement me poser des questions. Qui est ta soeur? C'est toi. Elle veut même pas se montrer. Vous la connaissez déjà. Elle veut pas se montrer. Elle est comme ça là et laissée là dans son salon. Voilà. Donc, je disais, elle va me poser des questions. En même temps, je veux. Voilà, je veux me présenter à vous parce que je pense que nombreux ne me connaissent pas. Bah, pour ceux qui me connaissent, bah, voilà, vous faites avec. Hein. Donc, next. Pourquoi tu fais la belle? Ah bah, tout simplement parce que je suis sur ma chaîne. C'est ma chaîne. Voilà. Bon, la première question, comment tu t'appelles? Je m'appelle Fafa. À l'état civil, je m'appelle Fallon Marie Les Palais. Pour les intimes, c'est Fafa de Molokai. Oui. Fafa de Molokai. Mes parents m'appellent Fafa de Molokai. C'est bizarre, hein? Tu fais quoi de la vie? Étudiante en médecine. Je suis étudiante. La médecine, c'est plutôt compliqué, difficile ou facile? Tu trouves ça comment? De mon côté, je vous cache pas que c'est vraiment, vraiment difficile. Voilà. Tu as choisi de faire la médecine ou c'est tes parents qui t'ont qui t'y ont obligé? C'est ma décision. La troisième question. Célibataire ou en couple? Oh, sister. C'est quoi ça encore? Non, 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 non. On te demande de poser des questions. On te demande pas de rentrer dans ma vie privée. Next question! Non, 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 célibataire ou en couple? Quand même, tes abonnés veulent Je savoir ça, dis non? pas. Je dis pas. Si vous voulez savoir, demandez dans les commentaires, je reviendrai. Mais pour l'heure, next. La question suivante, tu vis où? Je vis actuellement en Chine, précisément dans la ville de Shenyang. Tu es de quelle nationalité? Parce que je pense que. Ça là aussi, je reviendrai. Mais vous pouvez aussi commenter, hein. Vous pouvez aller dans les commentaires dire. Ne trichez pas. Pour ceux qui me connaissent, ne trichez pas. Allez dire dans les commentaires là-bas de quelle nationalité je suis. Pour ceux qui me connaissent, ne trichez pas. Hein. Ne trichez pas. Voilà. Next question. Quelle est la première des choses que tu fais quand tu te réveilles le matin? Les réseaux sociaux, wesh. Les réseaux sociaux, wesh. Les réseaux sociaux. Tu te brosses pas les doigts. Ben, c'est quoi ça? Mais je commence d'abord par regarder mes réseaux sociaux. C'est ce que je fais chaque matin. Et ensuite, je me lève pour aller sous la douche et je regarde ce qui se passe sur mes réseaux sociaux. Ok. Tu sais plus quel est le réseau social où tu es le plus active? Snapchat. Là-bas, je peux tuer là-bas. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, regardez la vidéo. Allez regarder ma vidéo, vous allez retrouver. Si laissez en barre de description
mon Snapchat. Parce que là-bas, là-bas, c'est nounou, nanou. Là-bas, c'est nous. Bon, quelle est la chose que tu détestes le plus chez toi? Ma chérie a des lololo. Ma chérie a des lololo. Come on. Bref. En fait, c'est pas que je déteste, mais je dirais plutôt c'est un complexe parce que j'ai une poitrine très, voyez, donc, très développée, voyez un peu. Et donc, tous les jours, je n'assume pas ça, en fait. Je n'assume pas le fait d'avoir une grosse poitrine. Voilà. Ok. Question. Quelle est la chose que tu aimerais changer chez toi? T'as tapé dans le poing. Bah, c'est tout simplement le fait de se plaindre. Mali, je me plains trop. Moi, là, je ne vais pas voir quelque chose comme ça. Fermer ma bouche, là. Jamais. Ma bouche, là, je dois parler. Je dois dire. Si ça ne va pas, là, je dis. Mais souvent, là, moi, là, c'est vrai, j'abuse. Donc, c'est ce côté-là. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Chez un homme. En tout premier, je dirais le sourire. Voilà. Hein? Un ten homme sourit bien. C'est entre nous, hein? C'est entre nous. C'est entre nous. Quand un homme sourit bien. Oh, Seigneur. De loin, là, tu te dis, c'est mon homme. Voilà. As-tu déjà rencontré une star? Oui. Oui. Pas n'importe laquelle. Mama Kalunga. Nous étions au nombre de 3. Et quand on l'a aperçue, on s'est coulé comme ça pour aller la voir. Et c'est bien nous a fait. Ouais. Je vous dis. On est arrivé comme ça, on était tout excité là. Et à la télé. Maintenant, vous arrivez un matin, vous voyez la personne comme ça là, en face de vous. Hey! Imaginez, mettez-vous un peu à notre place. On est arrivé, maman Kalunga, comment la gonne nous a regardé de haut en bas comme ça. Après, elle nous a posé des questions là, non? De vous à moi, je préfère me taire. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Et en faisant ça, elle nous a refroidi et voilà quoi, c'est la vie, on fait avec. Next question. Aimerais-tu être une célébrité du genre Kylie Jenner, Kim Kardashian, all those celebrities? Ouh, ma soeur, tu vas loin là-bas. Honnêtement, je dirais non. Parce que ils sont surveillés, moi, c'est pas une vie que j'aimerais mener. Quelle est la personne qui te manque le plus? Ma maman, my mom. Bon, peux-tu vivre sans internet et on te donne... Je vois ça là encore. Et tu as droit à 100 millions de dollars pendant 20 ans. Toi, t'as des questions, hein? Depuis tout à l'heure, moi, je la comprends pas. Elle me pose ce genre de... Moi, comment j'aime mon YouTube, mes réseaux sociaux. Moi, je vais laisser pour l'argent. Je sais pas. Parce que d'un côté là-bas, tu as dit quoi? On va me donner combien? 100 millions de dollars. L'argent, oh! En tout cas, ça, la question là, je peux réfléchir. Mais d'un côté, je sais que sur mes réseaux sociaux, quand même, je sais pas. Mais si on me donne l'argent, vraiment, on me donne l'argent, je prends l'argent en même temps, je vous laisse. Je pars. Je vous oublie. Comme ça, là, c'est le... L'argent, les gars, pardon, ne blâmez pas l'argent. C'est next. Quelle est la chose, la plus belle chose qui te soit arrivée en 2020? En 2020?
avec Corona. Je te cache pas qu'en 2020, j'ai pas trop eu de bonnes choses. Hein. Je dirais YouTube. Parce que dès que j'ai commencé à poster mes vidéos sur YouTube, tout de suite, je me suis sentie bien. Ça m'a fait un bien là. Je sais pas comment vous exprimer ça en fait. YouTube, je peux dire YouTube, mais sinon, vrai, 2020 là. 2020 là. Moi-même, j'aimerais même retourner en 2019. Je vous cache pas que j'aimerais retourner en 2019 parce que 2020. Il vient là, blessé. Pardon, excusez-moi. Hein. Il fait nuit ici, il n'y a même plus de lumière. Le soleil, vous voyez, pour nous les débutantes là, on va un peu voler le soleil. Maintenant, après le soleil, il te lâche comme ça, il te dit fous le camp là-bas. C'est ce qui m'a fait. Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse de maintenant en fait? Pour la question, je dirais tout simplement que la jeunesse d'aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup fainéants. Ça, il faut pas qu'on se le cache entre nous. Si bien qu'il y a d'autres qui apprennent et qui sont dans l'entrepreneuriat, les autres ne veulent rien faire. Leur vie, c'est chiller, sexe, boire. La jeunesse ne veut pas ouvrir les yeux, se battre comme nos parents. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Attends, la question c'est... Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez une personne? Je peux dire quand je parle à une personne et que la personne ne me comprend pas ou genre ne se met pas sur la même longueur d'onde que moi, ça m'énerve. Déjà rien que ça, ça m'énerve. Vous voyez? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube? Ça c'est la dernière question. Enfin, on va finir avec les questions là. Et enfin. J'ai plus de lumière. Elle pose des questions. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire YouTube? D'abord, il faut savoir que ce sont des idées que j'avais déjà en tête. Maintenant, le courage, je n'en avais pas encore. C'est pendant le confinement, grâce à une amie qui m'a dit, hé, ma soeur, au lieu de nous foutre, le bruit sur les réseaux sociaux, parce que faut savoir que je suis beaucoup sur mes réseaux sociaux, surtout Snapchat, je dérange énormément. Quand je dis je dérange, moi j'avoue que je dérange. Et du coup, elle est venue me dire, au lieu de nous faire ça là, où tu sais que c'est vrai que les gens vont regarder, mais c'est pas tout le monde, pourquoi ne pas aller sur YouTube et faire ça comme ça, ça va nous permettre à tous de venir te regarder. Voilà, parce que t'as quelque chose. C'est pas faux. Vous allez connaître ma personnalité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer. J'appréhendais un peu. Parce que je m'étais dit que ça allait pas être facile pour moi de me mettre devant la caméra, parler. Voilà, c'est vrai que j'aime m'afficher, mais pas jusqu'à... Hein, vous voyez un peu. Mais bon, le confinement aussi, j'avais rien à faire. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est comme ça. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur ma chaîne. Queen Ma Fafa.